Album. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tutoriel sur un beat de Fally Hippo Parfait Aya Nakamura. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser mon tout dernier pack de guitare que je viens de mettre en place. Je vais te montrer comment, grâce à ce pack de guitare, tu vas pouvoir assez facilement refaire les mêmes guitares qui ont été jouées dans ce son. Voilà, donc et en utilisant aussi tous les différents drum kits que j'ai à ma disposition et que je partage à toutes les différentes personnes qui me suivent. Voilà, donc tout d'abord, comme tu peux le constater, le tempo il est à 120. Donc c'est un beat qui est assez calme, c'est un afro. Naturellement, tu commences par mettre les batteries, les petites caisses là. Voilà. Ok, donc après avoir mis les caisses, il va te falloir mettre des tam-tam. On va voir. Voilà, donc ce tam-tam est disponible dans le lien dans la description pour avoir mon drum kit gratuit. Voilà, donc et après on va mettre quelques petites percussions. Voilà, donc en plus de ça, maintenant tu vas mettre un truc similaire. Voilà, tu prends un truc comme un marimba, voilà, assez facilement. En plus de ça, tu veux ajouter dans le Nexus, tu vas prendre cet instrument-ci dans Pluglet. Voilà, donc une fois que tu prends cet instrument, tu ajoutes aussi, ça devient ça. Maintenant, on va mettre les guitares basses. Boum, 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 boum. Voilà. Donc, c'est une guitare basse prise dans le Nexus aussi. Vinta Svite. Ok, donc maintenant on va passer à la guitare le plus important. Voilà, donc on va utiliser une guitare de mon tout dernier pack. C'est une guitare qui semble électrique, disponible dans mon tout dernier drum kit. Voilà, l'avantage avec cette guitare, c'est que j'ai déjà travaillé pratiquement toutes les sonorités. J'ai déjà mis des effets. Donc en plus de la guitare, tu vas ajouter un lead, voire amener les gens dans une autre dimension quoi. Donc en plus du lead, voilà, le lead c'est ça. Voilà. Tu copies les notes du lead et tu mets une guitare basse en dessous. Tu vois. Voilà, donc maintenant voici la partie où il y a la guitare. Voilà, c'est la même guitare. J'ai pris la même guitare et puis j'ai joué les différentes notes.
Voilà, donc et quand tu prends la guitare, tu la mets sur les différents instruments, tu obtiens ça. Voilà, maintenant, il y a un instrument que j'ai ajouté là. Voilà, tu prends un autre lead pour pouvoir donner un peu plus de puissance à la guitare. Tu le mets comme ça. Maintenant, tu ajoutes une guitare basse. Voilà, donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je t'ai partagé comment tu peux assez facilement faire des instrumentales Afrobeat avec des packs et des instruments ainsi que des stratégies qui te permettent de pouvoir t'améliorer dans tes différentes compositions. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, partage au maximum, c'était pour le favor. N'oublie pas, dans la description, tu as gratuitement des séries de vidéos, des séries de packs qui vont t'accompagner dans tes compositions sur FL Studio, que tu sois débutant, amateur ou tout simplement un passionné de la musique qui souhaite apprendre à composer les différentes instrumentales. Dans la description également, tu as mon contact direct. Tu peux cliquer sur le lien pour contacter directement pour le favor. C'est sûr, c'était tout. Ciao.